Et soyez vigilants parce que la riponse aura lieu. Je vous garantis qu'elle va avoir lieu. Voilà. Il y a trop de gens qui sont morts, morts inutilement, mais par contre, nous sommes dans les temps modernes et on va trouver des solutions. Je vous préviens parce que moi, j'ai mes enfants. Hein, et mes enfants, ils vont vous chercher. Ils vont vous retrouver partout dans le monde. Alors, tenez-vous à carreau et après, on peut discuter homme à homme. On peut aller là où vous voulez. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne parlerai plus. Je ne dirai jamais plus rien. Alors, soyez vigilants. Surveillez vos arrières parce que vous ne savez pas qui c'est qui va vous attraper dans la rue. Voilà. On va vous donner des petites perles, puis des plus grosses perles. Certains se moquent de nous. Certains disent que nous disons n'importe quoi. Donc, ces deux atomes d'hydrogène, voire même cet atome d'oxygène, quand on va le refroidir, il va se liquéfier. C'est-à-dire que dans votre atmosphère, dans la pièce où vous êtes, si on la refroidissait, la pièce, jusqu'à moins 195 degrés, eh bien l'oxygène va devenir une goutte. Et là, vous ne pouvez plus respirer. C'est-à-dire que vos poumons, à moins 193 ou 190 degrés, eh bien vos poumons vont se coller. Parce que il fait tellement froid que lorsque l'oxygène va pénétrer dans les poumons, eh bien, votre respiration va cesser. Le vinaigre, c'est de l'alcool. Le vinaigre, oui, oui, oui. C'est de l'alcool, de l'alcool pur ou pas? Parce que, il y en a qui disent que c'est pas de l'alcool. C'est avant l'alcool, c'est pas de l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool, le vinaigre. Non, c'est une fermentation. Ok, donc c'est un peu avant l'alcool, quoi, ça. Oui. La stade terminale. Est-ce que c'est une viande, le poisson? Probablement, tu sais. C'est un animal qu'on tue, hein, Minky. Parce que forcément, oui, ça n'a rien. Oui. Poisson, par contre, le poisson, quand il sort de l'eau, il souffre pas comme un poisson. Donc, qui est. On n'en sait rien, Minky. Bah, nous, quand on se noie, on souffre. Lui, c'est pas son. Voilà, la souffrance, elle est très courte. Elle est intense. Ça nous arrange de dire ça. Ça nous arrange. Ben moi, j'ai passé proche de me noyer, puis si je peux dire. Ah, moi aussi, j'ai pensé. Hein. Ouais, excuse-moi, Marie. Excuse-moi, mais les poissons dans l'eau, quand ils circulent dans l'eau, ce qui les fait vivre, c'est l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Alors, s'ils se retrouvent à l'air libre, ils devraient nager dans l'air aussi, non? C'est que les bronchies sont pas faites. Ces bronchies sont faites pour diviser l'oxygène. L'eau. Ouais, alors que ouais. L'inverse, et donc c'est comme de l'alcool. On sait pas la mort si ça fait mal ou pas, hein, mais c'est comme tomber sans connaissance quand tu manques de souffle. Ici aux Philippines, il y a des moustiques. Tu sais, je suis immunisé contre la malaria, mais tu sais, je veux dire, c'est comme la piqûre est là, pareil, un moustique, c'est un moustique. Bon, ils sont pas plus gros, mais ils sont fatigués. Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand ils t'attrapent, mais moi je les appelle des points d'acupuncture. Peut-être qu'ils voient mon aura et disent tiens, je vais te piquer là, ça va faire du bien. Horus est la racine du mot horizon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule? La pensée de la poule. Tout. Or, la médecine a réponse à beaucoup de choses, mais elle a réponse surtout à vous handicaper. Alors, je te remercie, Philippe, pour ton combat. Et je sais combien tu es important pour cette humanité. Merci pour toi. Merci. Si, je veux dire, ça fait longtemps, ça fait 30 ans, Philippe, je suis là-dedans, OK? Plus que ça, mais. Je suis un vieux de la vieille. Et je suis tellement heureux de voir la relève, dont toi, Sam, tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai 66 ans. Là. Avant de quitter, je vois la, je vois les monstres que j'ai créés. Mais les monstres, ils travaillent pour nous maintenant, tu comprends? Attention, je suis pas peace and love, moi. Je suis pas peace and love. Les platistes puis les globistes, hein, ça c'est encore là. C'est le même débat entre les croyants et les athées. Parce que la plupart des globistes sont athées. Et la plupart des platistes sont croyants.